bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite des Gardiens de la Galaxie. Nous sommes à la partie 16 des vidéos et je suis heureux de vous retrouver pour cette fois l'aventure. Pour toi qui es nouveau, et bien écoute, si la chaîne te plaît, pense à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Même si la chaîne ne te plaît pas, voilà, je te conseille de le faire. Sinon, la malédiction va s'abattre sur toi et ta famille. La malédiction de Nightwish, tu connais ? Bon, ok. Et donc, on se prend à boire, à manger. On se met dans le noir pour avoir une meilleure qualité d'image, bien sûr. On démarre de là, la One Again Beast to Fly. On n'a pas peur, on est des... On est des rappeurs, Birdie toujours au top. Birdie est dans la place. Toi aussi, mon ami, mais Birdie avant toi, hein, excuse-moi. Allez, j'ai une préférence, c'est Birdie. Ouais, je suis désolé. On y va, go, come on, allez. Donc là, ça va être gore, ça va être très gore, je vous précise. On va rentrer dans une narine. Donc on va se mettre en morvatitude. Ah, c'est crade. Donc estomac fragile, ne pas regarder ce passage. Ah. Non, pas comme ça. Oh. D'accord, ah, c'est comme ça. C'est quand même plus stylé quand je fais tout sauter. Pas vraiment. Non, non. La prochaine fois qu'on se fait attaquer de partout, vous allez me supplier de nous faire sauter. Mais si, vous verrez. La prochaine fois qu'on se fait attaquer de partout, je me souviendrai. Et moi, je tire, et je tire. Oh. Encore cette drôle de brume. Estimez-vous heureux de pas être au ras du sol. Oh, le petit poilu ne se fait jamais tuer par le gaz ici. Seulement par les chutes, les rochers, les chitoris. Oh, attends. T'as dit chitoris ? Oui. C'est un mot tellement rigolo. Tire en rafale, ok. Attire des ennemis. D'accord. Ça peut être sympa, ça. Je pensais qu'on ne verrait jamais ces saletés. J'espérais qu'on les reverrait jamais. Ouais, ça leur enlève max de max de vie quand même. Allez, allez, ça dégage, ça dégage. Allez, une partie de foot, tranquille, ça démarre de là. Allez. Allez, encore une partie. Ah ouais, but. Avec la chance qu'on a, les sbires de Hellbender nous attendent de l'autre côté, prêts à attaquer. Vengeance d'Hellbender est vraiment. Bon, ben là, on s'en est pas trop mal sorti. Je te rappelle que c'est à cause de toi qu'elle nous pourchasse. Et enfin, ces types peuvent pas faire une croix sur le passé. Ils ont pas ramené une armée de blobs avec eux. Oh, ils étaient horribles, ces trucs. Ah, ce tir est vraiment excellent, excellent. C'est pas mal. C'est pas mal. Attention, écoute. Allez, allez, je me prends pour Mike Tyson, là, tranquille. Bon, tranquille, hein. Bon, il y a un peu de brume. Ça gêne, c'est gênant, mais bon. Lui, il croyait rester en haut, tranquille. On est en mode loup D. Oh merde, il est venu finalement. Bon, c'était beau ça, c'était beau. C'était la toute beauté.
Allez, de toute beauté, vas-y, balance. C'est officiellement trop étrange. Y'a pas de problème. Allez, on va. Viens chercher, gros câlin. Viens chercher, câlin. Ça déstabilise hein, quand je les amène au gros câlin. Ils viennent chercher bonheur. Bon, lui là-haut, je peux pas. Allez, allez, balance de l'eau. A good egg. Vas-y, vas-y, yeah, on balance la sorte. Viens chercher câlin, viens chercher bonheur. Pour une fois, allez. Avec... Toi aussi tu veux du bonheur, tu veux du câlin. J'ai eu un allez. Quid des fourrailles de la picaille. Ah ah, oh, ça fait du chaud. Taille dans le vif du sujet. Allez, allez. Je peux pas démissionner. C'est dans ton contrat. Viens me voir, viens me voir, mon enfant, mon gamin. Arrêtez les groupes. On va dans la bonne direction. Ouais, vous êtes sûr? Allez, coup de pied sauté, tranquille. Il y en a encore là ? Ou elle est où là ? Ah ouais, ok. Vas-y, vas-y, viens chercher bonheur. Regarde comme t'es mou. Yeah, les amis. Un beau combat à la Mike Tyson, tranquille. Ça va bien, Francis ? Oh, salut Gamora. T'as l'air moins déprimé. Attends, on a déjà parlé de ça, pas vrai ? Ouais, en effet. Mais cette chose te contrarie toujours, n'est-ce pas ? Quelle chose ? Je vais bien. Regardez. Concentrons-nous sur Drax. Ah non, je peux pas prendre. Il va être triste de ne pas avoir combattu tous ses ennemis. Je crois que rien de tout ça n'était réel. Pas réellement réel, en tout cas. Non. Cette attaque semblait bien réelle. Ah, oui, c'est possible. Quelque chose. Ah, je me suis mangé un mur. La légende dit que toute la planète est creuse. Super. D'accord. Attention, d'autres monstres de pierre. On est peut-être parti sur des mauvaises bases. Ils ont pas l'air de vouloir faire la paix, Quill. Oh ouais, non, mais ils sont nombreux là en fait. Fais tout sauter, Rocket. C'est le moment, Gamora. C'est pas trop dur, on doit tirer. Il dégage, gros. Allez, vas-y, vas-y, bombarde-le, ralenti de malade, c'était beau, c'était beau. Allez. Pourquoi y a pas de brume autour de ces types ? Peut-être qu'ils savent un truc qu'on ignore. Ah, j'ai pas réussi à faire à faire mon YB là. Lui la linéaire il se casse là-haut. Allez 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 on bombarde, on est des super héros Marvel. Ah, on n'est pas là pour rire. Wow yeah. Censé flinguer ces trucs, Francis. C'est un peu tard pour poser la question.
Waouh, une équipe de Hall Black qui me sent tout le temps. Occupez, gros. Yeah. Ça tombe, mais on reste focus, concentré de focus. Waouh, m'écraser. C'est parce que c'est gravé dans la roche pour nos familles, nos proches. Big up sniper. Oh yeah. Merde. Alors, ça vous fait quoi là? Hein? Ah, ils sont nombreux, hein, quand même. Ah, l'électricité, ça pique, hein. Ça picote sous les aisselles un petit peu. Tiens, mange dans ta place, yeah. Bah, il fallait s'y attendre. J'étais pourtant sûre que... Ah ben non, j'ai pas encore tué la mort. Je crois que j'ai compris leur mot pour tuer. Ah. Ou leur grognement, en tout cas. Oh, mais c'est top! La brume n'a pas l'air de déranger ces espèces de géants. Ils sont peut-être assez malins. C'est bien ça! Attendez, y'a quoi là derrière? Les drags s'en entendra parler, t'inquiète! Oh! Est-ce que c'est la version où le petit poilu fait quelque chose d'héroïque? C'est dur à dire. Je pense qu'on peut tous dire que ça n'arrivera pas. Tu devrais être la première à donner une seconde chance au détruit Gamora. Ah. Oh, c'est stylé, hein. De près qu'il y a un tas de méchants ici. On pourrait en capturer un ou deux quand on aura sauvé Drax. Pourquoi faire? Je sais pas. Les offrir à Hellbender pour enterrer la hache de guerre. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. C'est le genre de truc que Gamora utilise. Ouais, elle va aimer ça. Pour se gratter le dos, en fait. Et les pieds aussi, vous pouvez. Si on arrive à sauver Drax, on devrait inventer une histoire épique. Comme quoi, on a terrassé un monstre terrifiant. Oh, vous n'aurez pas à l'inventer. Je vais partir du principe que t'as encore confondu les chronologies. Il paraît même que cet appareil, Gamora, s'en sert pour se brosser la moustache. C'est aux dernières nouvelles, hein. Je veux pas m'avancer, mais... Allez, brave Jean. Tout est étrange ici. Les plantes, la brume, les gens... Et encore les plantes et la brume. Ça doit sûrement être la brume qui affecte leur croissance. Oh non, je le sens aussi. C'est autre chose. Une chose très puissante. Ah ah, mais quoi? Oh, encore un truc. Les gars? Je sais, ah. Petit poilu. Petit et poilu. C'est le seul je vous passage. Lire, les amis. Voilà, c'est bon. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Il voit ce qui se trouve devant. Et je vois ce qui se trouve derrière. Mm-hmm. Ah non. Ça n'a pas l'air. Excellent. Juste moyen. Je refuse de marcher sous un déluge! Il y a peut-être un moyen d'utiliser ces plantes pour dévier l'eau. On est une équipe. On va trouver. Eh oui. On va vraiment abandonner Drax à cause de ça? Bien sûr que non! Allez le sauver pendant que je me noie! Comment elles font? Ici. On va péter ça déjà. Non. Bon, laisse tomber. Ah. Ouais. C'est une plante normale, c'est pas une plante comme toi. T'en as pas le choix.
Ok. C'est quoi ces trucs là? Ah, sauter, mais les trucs qui brillent, attendez, c'est quoi? Tu te rappelles la dernière fois que t'as fait sauter un truc? D'accord. Elle doit être coincée quelque part. Ah, ok, 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 ok. Gamora, grimpe là-haut. On voit d'où vient le problème. Le problème, c'est que Rocket doit prendre sur lui. Je peux toujours rêver. Pour la défense du petit poilu, il s'est déjà noyé dans beaucoup moins que ça. Ouais, c'est clair. Tu trouves pas ça absurde? J'ai un problème avec l'eau. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Tu es censé être son chef. On parle de Rocket, là. Mantis, il y a des versions où on abandonne Rocket ici. Non, non. Qu'est-ce que vous feriez sans moi, hein? On n'abandonne pas Rocket, hein. Quand on l'abandonne, on rigole plus. C'est le plus marrant de l'équipe. Qu'est-ce le plus rageux, surtout. Les prêtres l'appellent Buros, source de lumière et de vie. Dans le cas présent, je me contenterai d'un abri. Tu peux péter, ça? Ouais. Non? Comment ça, non? Ah, par ici alors? Allez, tire, Peter, tire, yeah! Trembler devant le grand Star-Lord. Ouais. Non. Composant de base, c'est bien. Tu es seul à regretter les anecdotes de Drax sur Katas? Je suis sûr qu'il y a un compte de. Donc, à mon avis, il faut trouver tous les. Il y en a un là-bas. Ouais, comme l'équivalent catassien de Jack et de Haricot Magique. Bon, mais là-bas, on peut pas l'avoir, hein. On a vu, il faut bien fouiller. Là, il n'y a plus rien, hein. Quoi? Vous restez? Par contre, il y a de l'autre côté, regardez. Ici il s'est enlevé. Tu peux lui demander de bouger, ouais. Je crois pas que ce soit une plante intelligente celle-là. On pense quoi, Rocket? Ça a pas l'air, hein. C'est terrible. Traduction. T'aurais pu traverser Rocket quand même. Rocket n'aime pas l'eau. C'est une grotte lugubre. On risque tous de croiser des choses qu'on n'aime pas. Ouais. Mais pas autant que le petit poilu et ton petit bleu. Ne sous-estime pas les peurs primales de tes compagnons, Starlock. Surtout si tu n'en connais pas les raisons. Ok, donc là. On va essayer de faire là maintenant. Ah, bah regardez, ça marche. À moitié marché. Non. À moitié moins d'eau. D'accord, ça, c'est ok. Encore trop. Ok. Je vais faire l'autre côté, attendez. Bien toujours. Non. Ben ouais, j'ai vu ça, ma petite Gamora. C'est bien ça le problème. Oh. Ça, c'est un truc pour notre ami Groot. Je s'appelle Groot. Viens, viens là, mon petit, viens. Hey Groot, tu peux m'amener là-haut? Je s'appelle Groot. Il arrive. C'est bon, là, je lui ai dit. Top. Voilà, merci, je s'appelle Groot. Tu es un brave fidèle ami, c'est bien. Ah. Jack, haricot, tout machin. Les doigts dans le nez. Je s'appelle Groot. Non, pitié, Groot, arrête d'encourager encore plus son. Allez, on va te mettre là. Hey, si je saute, tu peux me rattraper, hein. On va pas tarder à le savoir. On peut pas dire que ce soit rassurant. Et pourquoi on le laisse pas ici? Par contre, le temps de sauver Drax. Bon, c'est pas grave. Il sera toujours là quand on reviendra. Et sinon. Ah, sérieux. Groot n'acceptera jamais. De quoi est-ce que vous parlez? De rien, Rocket. Et un précieux élément de l'équipe. J'aimerais bien
T'inquiète. Continue, je vais te piquer dans ton sommeil. Bah alors, tu veux pas les prendre? Ça perd les popettes. Regardez, ça s'appelle Groot. J'aime pas me noyer, c'est ça. Ah, ça c'est important. Allez. Petite Gamora, tu reviens me chercher, s'il te plaît. Gamora, tu me donnes un coup de main? Là, ça devrait aller. Ok, ça marche. Waouh, 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 comme elle est... Elle est phénoménale, cette Gamora. Moi, il n'y a plus rien qui tient là. Là, ça a été pété. Ouais. Yeah. Ah, voilà, super. On est censé savoir qui c'est. C'est le type qui a ouvert la mer. Ah, avec les tentacules, c'est ça? Il fait le tentacule. En tout cas, merci, Quill. Vraiment. C'est 32 Attends, personnes. J'étais sûr qu'il avait des tentacules. Qu'est-ce que t'en dis, Groot? Maintenant que toute l'équipe est au complet. Je s'appelle Groot. Absolument, un rocket sec qui est un rocket heureux. Ah, parce que t'es heureux, là? Oh oui, tu devrais voir les versions fâchées du petit poilu. Le petit poilu. Peut-être pas. Non, non. Il vaut mieux que tu ne les vois pas. Ah, Monty, c'est là de ses surnoms, quoi. Ce couloir exigu te rappelle quelque chose, Monty? Je crois que c'est la partie où il y a quoi? Je croyais qu'on venait de la passer. Oh non, c'est pire après. Bien pire. Oh putain. J'ai pas eu peur, j'ai pas eu peur. Gardez votre calme. Tout le monde va bien? Je verrais des étoiles si j'y voyais quelque chose. Ouais, on est mal barré. Sinon, à propos de tous ces futurs où on meurt... Je s'appelle Groot. Oh. Est-ce qu'il a vraiment toujours su faire ça? Oh là là, il est de toute beauté. Il dit qu'il aime pas frimer. Merci, vieille branche. Je s'appelle Groot. Ouah, Groot, non, alors là, franchement. Oh oui, la chose, c'est une odie dans le noir. C'est très important. Non, c'est faux, c'est toi. Je s'appelle. On est tous tes amis, Rocket. C'est rien, ok? C'est juste que le labo dans lequel j'étais faisait des expériences sur moi dans des tutos. C'était vraiment horrible. Des expériences de privation sensorielle du demi-monde. J'en ai entendu parler. Et ça, on la privation doit se sensorielle, c'était rien comparé aux autres. Alors c'est pour ça que tu détestes l'eau. Flac. J'en avais aucune idée. Ouais, on va pas en faire toute une histoire, hein. Je préfère rester putain, au non, sec. Non, non, voilà. Là, on peut pas. Là. On va devoir buter dans le. Le bruit me fait flipper là-bas. Le bruit me fait flipper. Vois ça comme une métaphore. Attendez, il faut repasser par où? L'obscurité dans laquelle tu évolues représente l'esprit du vilain tout vert. On va suivre le chemin tracé par route au retour. Et Groot, ensuite, passe devant, passe devant. Ouh, ce passage. Ouh, merci. Je suis le seul à trouver Madame Irma super saoulante. Je s'appelle. Joli. Ah, tu déconnes. Ah, Mantis, elle est gentille. Bah, moi, c'est moins sombre pas saoulante, voyons donc. Et moins mouillée. Pourvu que ça dure. Mantis, il y a des choses dont on devrait se méfier ici. J'essaie de me souvenir. Je crois que c'est là que ça fait une boucle. Parce qu'avant, c'était pas une boucle. Ah, encore cette horrible brume. Elle est toujours là. Toujours, jusqu'à ce qu'elle n'y soit plus. Ça veut dire quoi? Encore des ténébreux. Si. Non. Mais c'est quoi ces saletés? C'est les horribles boules d'yeux de la zone de quarantaine. Je suis sûre d'entendre des ténébreux. T'as les oreilles bouchées. Les yeux. Pas. Gamora a sûrement raison. On sait que les sbires d'Elbender nous ont suivis jusqu'ici. Des ténébreux. C'est ce que j'ai entendu. Bye bye, ténébreux. À terre. Comme si la brume s'était carrément. La brume se dissipe. Ah. Il y a une issue. Bizarre, c'est comme si cet endroit avait un esprit. Pas un esprit, une force. D'accord. Ça me dit rien qui va, cet endroit là. Personne n'a une impression de déjà vu? Bah ouais. Tout
Tous ressemblent avec cette brume. Ouais, bah pas les sons. Ça, c'est les blocs de gelée de Sekhna. On est passé dans cette pièce déjà. C'est déjà bien avant. Non, c'est les cohortes de Nova. Il y a un shocking. J'entends des voix. Comment tu peux confondre des monstres avec des gens? C'est pas ça. On entend clairement des choses différentes. Gamora a raison. J'entends des voix. Toujours Gamora a raison. Ce casque dans la base des Nova. Vous êtes dingues, hein, tous les deux. Ça se peut pas. J'ai entendu de la gelée. On se fiche de savoir qui a raison. On peut pas se fier à ce qu'on entend. C'est quand même bizarre. La brume ressort. De la brume. J'entends des bruits et je ressens les combats, c'est tout. Ouais, c'est pas mal ça. Mais au moins on sait qu'il a une issue maintenant. Bon, si c'est différent, ouais, je veux bien. Non, c'est encore la même pièce. On peut repousser ce chemin ? Je suis même pas sûr qu'il y a encore un chemin. Ah, cette fois, c'est clairement les vieux sauteurs de la zone de quarantaine. C'est sûr. Je vais pas rentrer là-dedans. C'est clair, on se fait manipuler. Je s'appelle Groot. Des chitourines. De quoi, là ? T'es encore plus largué qu'elle. Je s'appelle Groot. Ces lézards géants font des sortes de claquements dans la bouche, dans les oreilles. Il y a un truc qui cloche. Bon, t'as raison. C'est les chitourines. Pas prêt d'oublier ces saletés. C'est pas le moment de se tromper. Gamora a raison. On nous manipule. Ah ouais, c'est toujours les mêmes. C'est quoi le bug là? Et on lui répond. C'est un truc de ouf, les amis, là. Ça va durer combien de temps? Encore la même pièce, quoi. Oui, oui, non, mais j'entends, mais c'est quoi? C'est impossible. Ça peut pas être réel. Ça paraissait vachement réel quand on se battait. C'est la brume. Ce ne sont que des sons. Et c'est un hasard complet s'il ressemble à toutes les saletés qui ont essayé de nous tuer dernièrement. Chut. Comment ça, chut? Starman a raison. Chut. Sont à propos de toi. Chut. Il y a une nouvelle ici? Alors c'est derrière. Ça dépend, on dirait. C'est d'accord. Lié à cette saleté de brume. Dès fallait que pas vous répandre, parlez en fait, d'un les amis. Elle a le pouvoir de le faire apparaître. Alors, depuis le début, on aurait dû se taire? Ah bah on avait aucune chance. Sérieux quoi, on aurait pu éviter tous les combats, les amis. Combattre des créatures différentes. Mais la source, je crois qu'elle n'en a pas fini avec nos gardiens. Dans ce cas, à partir de maintenant, on ouvre l'œil. L'antifoudreux a disparu pour l'instant. Sérieux toi? Ah. Alors, sans vouloir te vexer la punaise, je prends plus un mot de ce que tu dis. Donc la brume est une entité maintenant? Oui. En quelque sorte. À mon avis, si le monstre de la brume veut nous tuer, c'est qu'on doit se rapprocher de, du truc qu'on cherche. Eh oui. Mais c'est vrai que c'est logique. Et si le monstre de la brume peut faire apparaître des horreurs, peut-être que le contraire aussi est vrai. Si ça se trouve, il suffisait de dire « Sois une Drax » depuis le début. J'aimerais bien, Star Machin. Oh. Mais non. Pour une fois qu'elle donne une réponse claire... Allez. Bon ben à mon avis on peut passer que par là. Hein. Quand il y a les petits rebords comme ça. En tout cas n'hésitez pas à commenter, liker, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez justement du jeu. Voilà, de cet environnement je trouve... Franchement c'est un environnement un peu de Doom on dirait. Sentir. On est si proche. Les doigts dans le nez. Dans une des chronologies, on meurt tous écrabouillés. Ah, c'est bien ça. Ah, trop bien.
Cette mort nous irait si bien, voyons donc. Laissez-moi deviner. On descend ? Oui, si vous voulez sauver Drac. Et vive la galaxie. Ah, ça c'est bon ça. Donc, attendez. Donc je peux sauter. Vous êtes sûr ? Les bruits que j'entends ne m'inspirent pas confiance, hein, je vous le dis. Allez ! Toboggan ! On essaie de rien se prendre ? Oh yeah, yeah ! Oh ! Il fait peur ce masque. Je ne me souviens pas de ce passage. Ok, ok. Écoutez-moi les copains, j'apprécie vraiment ce que vous avez fait pour moi tout à l'heure. C'était choupi. L'eau, tout ça. Mais continuez à suivre cette punaise, c'est officiellement une idée à la noix. Ok. De la ratata. Des porcs féroces, des cascades toutes mouillées. Une cascade. Une cascade sec, ça n'existe pas, hein. Où on est ? Elle ignore où on va ! Elle ignore même ce qu'on est venu chercher ! Mantis, on chauffe ou pas ? Température ambiante. Ok, ok. C'est assez dingue. Elle est sûrement dingue, elle aussi. Mmh. Mais il s'agit pas d'elle. Ouais. D'accord ? Il s'agit de nous. Voilà. Et je suis super fier de nous. Ouais, parce que c'est la première fois qu'on prend autant de risques. Ouais. Oh, c'est dans celle-là. Big up à la Dream Team. Réfléchissez, on était qui quand on a commencé ? Bah, t'es une trompette. Même pas fichu d'échapper à un arbre. Exactement. Et toi, un chasseur de primes à deux balles. Fauché, tout comme moi. Les gros ratés, égoïstes. Toujours à l'affût d'une unité, d'un bar, d'un contrat, d'une banque à vider. Ouais, je trouve pas mal. Ben, en roquette, oui, moi aussi, mais t'arrives un problème, ça, là, il y a ton double. D'accord. On est en train de tout donner pour Drax. Pas Drax le destructeur, pas Drax non. Le criminel forcené, juste Drax, notre ami. Et Gamora. Hein ? T'as parcouru toute la galaxie pour traquer et zigouiller des types. Pour te venger. Franchement, excellent comme c'est bien fait. En leur faisant probablement subir des trucs inimaginables. Mais tu trouves pas que ça fait du bien de faire tout ça pour aider quelqu'un qui nous est cher? Oh, ça fait trop de bien. J'aime bien les pins des années 80, vous avez vu. Je dis que t'es pas obligé. Non, 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 je dois le faire. Parce qu'on a besoin de suivre ton exemple. C'est vrai, tu te plains ça jamais. Ça s'appelle Groot. Ou alors, je fais pas gaffe, mais enfin, je suis mais quasiment sûr pas, que tu te plains jamais. T'es toujours là pour nous, voilà. Et c'est de ça dont il s'agit, de nous. Une équipe qui se serre les coudes, qui suit une nana givrée dans une grotte de la mort parce que l'un de nous est dans le pétrin. Ouais, on est une équipe, on est même une famille. On est les gardiens de cette fichue galaxie. Ah, vous êtes deux familles, là. C'est que tu m'as mis les poils, là, hein. Ah, ah d'accord. C'était complètement à fond. C'était un des meilleurs discours. Ok, vulvérise-moi ça. Ces imposteurs vont continuer à débouler. Allez, prends ça, Star-Lord. Yeah. Rocket, tiens, tu vas manger, hein, je te dis. Tiens, Gamora, mange, mange. Viens, on s'en prend au vieux tronc, hein. Au vieux tronc d'arbre. Tiens, t'as mangé. Faire quoi la statue ? Oh, il y a un truc là-bas, il y a un truc là-bas. Trouvez-moi un point d'entrée si vous voulez un peu d'artifice. Ok, tu vois ce que je vois ? Ouais, vous rentrez là-dedans. Super ! Faisons sauter cette cochonnerie. Ouais. Venez saigner, Gamora. Voilà. Fais péter, ça y est. Non, putain. C'est cool de voir un drac en pleine forme. Ça vous a plu ? C'est bon. Ah ben c'est pas fini, c'est pas fini, ma gamin. C'est pas trop ce qu'il faut faire. Le petit poilu doit finir le travail. Ah, Black, tu vas y aller à ce propos.
Là-bas, il y a un truc, non? Un dernier coup et c'est bon, à mon avis. Ah ouais, parce que c'est sous l'eau, putain, ouais. Ah, Rocket, déconne pas, vas-y. Ben non. Je dois la détruire de l'intérieur. Non, je vais mourir en bas comme de me noyer et rester en vie. Allez, Rocket, vas-y. Putain. Désolé, mais je peux pas. Mais je peux plus. Oh non. Putain, je vais me retrouver seul contre eux parce que. C'est couillant là, il veut pas rentrer, là, sérieux. Ok, écoute, ok, je sais que tu ouais, il y va. Je sais ce que j'ai à faire. Allons, fais-moi sur moi, je vais le faire. Vas-y, pense, oublie que t'as aucune chance, pense. On sait jamais, c'est un malentendu. Oh merde. Ça marche, allez. Allez, Rocket, tu peux y arriver. Ça a marché. Il y a encore un truc là-haut? Non, c'est une blague. C'est pas fini. Waouh. C'était pour toi le combat dans la brume. Ça me rappelle un film d'ailleurs, le singe dans la brume. Je crois que c'est ça le titre. Je me rappelle plus trop. Mettez-moi en commentaire. J'en reviens pas que t'aies fait ça pour nous. Hey, mon pote avait besoin de moi. Il est passé sous l'eau, quoi. Il a vaincu sa phobie, hein. Ok, mec. Oui, c'est bon, t'emballe pas. Allez, on va sauver Drax. T'emballe pas, je suis comme un rat tout mouillé maintenant, mais bon, c'est pas grave. On chauffe vraiment de plus en plus. Je crois qu'elle veut qu'on saute dans le trou. Je ne sais toujours pas bien ce qu'on cherche. Mais je sais que c'est dans ce cratère. Ok, ah ouais. Eh ben on va en finir, histoire que j'ai pas pris un bain pour rien. Ah ouais. Hop. On doit faire vite. Oui, on y est. J'étais à peu près sûr qu'on le trouverait dans les parages. Ah, vous avez vu le gamin qui court? Un poète piteux et perdu, qui pense de vieilles plaies. Non, sérieux. S'il est bien là. Je sens qu'elle va nous jeter en pâture à une horrible créature. Je sais pas, je le sens là. Est-ce qu'on va devoir se battre? Sûrement. La méditation n'est pas vraiment votre spécialité. Mantis a eu raison jusqu'ici. Sérieux. À propos de quoi? La présence d'eau croupie dans une grotte infernale qui pue? Ah bah oui, elle a vu juste sur le... Nous y sommes. Waouh. L'antre de la lumière bienfaisante. La source du remède. L'origine du pouvoir de Raka. Non. C'est... un cocon? Vous avez dit qu'elle allait nous filer à bouffer à une bestiole géante. Au moins, que ce soit elle, l'insecte. Et ça, c'est un genre de sac digestif. Tu te rends compte que c'est bizarre, quand même? Allez. Oh, vous n'avez encore rien vu? Ah ouais, c'est Space, quoi. Dégueu. Dites-moi que Drax est le seul à devoir se fourrer dans cette espèce d'œuf. Le berger s'est trouvé un nouveau troupeau. Oh putain. Oh alors lui, oh my god. Disciples imprudents. Prends ça la blonde. La grenade a même vous pas pété. Vous ignorez quoi. La gravité de votre insidieuse intrusion. Ah,
il sent rien le mec quoi. On ne brise pas un dieu. Non. Prépare-toi à périr, infâme importun. Oh, alors c'est celle-là. Ok, vilain tout vert, à toi. Je t'ai trouvé. D'où viennent ces manières primitives? Des cochonneries échappées de ta caboche fêlée. Sérieux? Vous ne risquez rien, c'est lui, Aaron Sherlock. Non, attendez. Aiden Pandlock, Ashley Bicot. Adam Warlock? C'est ça! Le fameux dieu doré! Attendez. C'est ce type-là, l'espèce de dieu antique dont Racker parlait? T'as l'air plutôt en forme pour un mort. Ce n'est pas le berger excellent. Moralisateur qui vous envoie? Qui, nous, avec Racker? Aucun risque. On essaie d'éliminer ce guignol. Tu vois? Ami. Ok, le colosse, en avant! Allez! Toutes celles où on meurt se sont déjà produites. Excellent. Le dieu doré, donc. Il doit coûter une blinde, en fait. Tout doré, comme ça? Racker a fait disjoncter la moitié de la galaxie, y compris notre ami. Il t'a remplacé par un plus jeune, plus beau surtout, puis plus bleu. Alors, tu peux nous aider? Mantis a l'air de penser que tu peux soigner Drax. Mon don divin couvre de sombres maléfices. Je me suis juré de ne jamais les réitérer. Est-ce que quelqu'un pourrait traduire ce qu'il dit? Le monsieur décline. Ma seule façon de vous aider est de mener une vie recluse. Pas dans cette réalité, mon lingot. On doit trouver toutes les pièces. Et pour ça, on doit se rapprocher du puzzle. Et sérieux? On doit aller... Ici, bien entendu. Attends, on devrait discuter. Ouais, c'est pas vrai pour ça. C'est pas quoi vrai. Ce délire? On dirait le début de l'Odyssée de l'espace. Bienvenue dans le plan astral, Starlock. Tu nous as téléporté? Oh non, vous êtes toujours bien au chaud avec moi. J'ai juste fusionné vos esprits. Putain, ils sont dans la T'as tête fait à... quoi? Je ne t'ai à pas Drax, donné ma quoi. Permission, intruse. Elle a pas bien saisi le concept de permission. Avec elle, c'est toujours, je crois, et sauvons la galaxie. Ne monte pas sur tes grands chevaux, dieu doré. Tu es clairement impliqué dans tout ça. Comment ça? Je croyais que ce type devait nous aider à soigner Drax. Le remède est la raison. Excellent. Eh bien, les amis, nous allons nous arrêter là-dessus. Merci à tous pour avoir visionné cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Pour toi qui es nouveau, bien écoute, pense à t'abonner. À activer la cloche des notifications, c'est important. Ça fait plaisir, c'est gratuit. Vas-y, lâche-toi. Lâche ton plus beau pouce bleu, les deux gros orteils. Balance du lourd, surpreneur. Et pour tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Portez-vous bien. On dit bye bye, à très bientôt. Allez, ciao.